Bienvenue sur ce parcours station de trail. Aujourd'hui, c'est un atelier spécifique pour les escaliers. Donc l'avantage de ces escaliers, c'est que tu peux les faire ici dans ta station, mais tu peux aussi le faire près de chez toi en trouvant des escaliers dans un stade par exemple, dans un parc. Tu peux en avoir en général à pas mal d'endroits. Je vais simplement te montrer trois exercices sur les 8 qui sont proposés. Donc le premier, ce sera de courir avec une marche pour chaque. Donc tu vas voir, soit tu le fais sur une marche par une marche ou deux marches par deux marches. Là, ce qu'il faut veiller à faire, c'est dans tous les cas, dans tous ces exercices-là, c'est d'avoir une bonne posture au niveau des bras, être bien droit, bien gainé, et puis d'avoir une pose d'appui au sol qui est très dynamique. Donc voilà, c'est ça l'enjeu de tous ces exercices, c'est aussi de travailler cette pose d'appui au sol. Donc le premier, voilà, il est assez simple, c'est simplement courir dans les escaliers. Ensuite, je vais te montrer l'exercice 4. L'exercice 4, ce sera un exercice de cloche-pied. Donc là, le cloche-pied, bah, tu vas tout en sautiller sur une même jambe. Et là, ce qui sera important de la même manière, ce sera d'avoir une pose d'appui au sol qui est dynamique et idéalement d'avoir une jambe qui n'est pas trop fléchie. Donc si elle est fléchie comme ça, ça suffit. Ensuite, le dernier exercice que je vais te montrer aujourd'hui, c'est les foulées bondissantes. Donc les foulées bondissantes, c'est tu vas choisir 2-3 marches en fonction aussi des escaliers que tu vas avoir. Et là, le but, ce sera de te grandir et de te propulser avec les bras. Et donc là, c'est beaucoup un exercice de force et notamment sur les cuisses pour pousser très fort et aller jusqu'en haut de tes escaliers. Allez, je te souhaite un bon entraînement et puis à bientôt.